La Bible est très grande, mon pays. Laissons faire planer Jésus. Est-ce qu'on peut la faire plus fort encore? Un peu de mieux, on peut la faire encore. Amen. Amen. Vous avez déjà rendu son témoignage. Basté Bertine est là. Basté Bertine, quand même, oui. On acclame Jésus pour Basté Bertine. C'est tout pour ça. Est-ce que tu peux faire du bruit encore pour Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer plus loin encore? Oui, nous allons écouter le témoignage du pasteur Bertine. Je vous salue. Il n'y a que pour la voix de l'homme. On a même faux Tigamano. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Et je n'ai rien à lui apporter. Et c'est ça qui me fait mal. Je vais donc lui rendre de la gloire, toute la gloire qu'il mérite. C'était ma dernière année cette année. J'étais programmé et j'attendais le jour de ma mort certaine. Et pourtant je ne savais pas. Je sentais en moi la maladie. Je remercie le prophète qui est arrivé dans notre contrée. La personne qui l'a fait venir dans nos fiefs. Je remercie cette personne. J'étais en train de mourir, et moi et toute ma famille avec. Tous mes enfants devaient mourir comme moi, et je ne savais pas. Le 2 décembre de l'année 2013, c'était le dernier jour sur terre, parce qu'on m'avait déjà mangé en sorcellerie. Mais quand ma fille a avoué devant tous qu'elle m'avait déjà livré, mangé et tout, c'est quand ma vie a été dévoilée que nous avons su tout ce qui se passait autour de la famille. Je demande à tous de ne pas aller chez les féticheurs, chez les marabouts, mais d'avoir le seul repère, le Christ, et lui le vrai sauveur. Et c'est le prophète qui a dévoilé le secret pour dire que j'étais programmé certainement pour le 2 décembre, mais au nom de Jésus, cela n'aura plus lieu. Le prophète a demandé qu'est-ce que tu as mangé justement. Et elle a répondu, son cerveau. Et ensuite son cœur. Et chaque fois que j'allais au champ, j'étais doublé parce que je sentais des palpitations cardiaques.
Donc il est dans la barre. Il mène de fou. Et j'étais donc programmé comme quoi une petite branche allait se détacher d'un arbre, ça me touchait vivement, ça m'était fini.